Good afternoon, ladies and gentlemen. Thanks for joining Equinox Television. We are live from Cameroon's economic capital city, Douala. It is a bilingual edition of news, and the first part is in the French language with Nadine Yambo. Nadine Yambo, good afternoon. Good afternoon, Fomi Amsron Sanda. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. L'insécurité perturbe le quotidien des populations du quartier L'Orbesou, précisément sur la route, lieu dit Carrefour, à l'antenne de la CRTV. Des cas d'agression sur la route et même dans les domiciles se multiplient. Les populations déplorent l'absence de l'éclairage public et le mauvais état de la route. Le reportage de Farel Bounia, Sylvestre Hippolyte Zangao. L'Orbesou, en allant vers l'émetteur de la CRTV. La circulation est difficile à cause du mauvais état de la route. Le long du chemin, pas d'éclairage public. Une réalité qui favorise l'insécurité. La nuit tombée, les malfrats dictent leur loi en toute quiétude. Apeurés, certains habitants se confient dans l'anonymat. À partir de 22h, c'est plus possible de circuler par ici. Nous avons des cas à partir de minuit, alors ça c'est encore plus grave. Nous avons des cas d'agression, des gars qui vont de Carrefour Tampico jusqu'à lundi là-bas, avec les machettes, avec la moto. Donc à partir du 23h, il ne faut plus descendre vers la rue Carrière. Donc c'est dangereux. Et ce qui fait, qui est cause de tout cela, c'est le manque d'éclairage ici là. Dans des mas d'eau, les biesquineurs comme les tachements ralentis pour pouvoir traverser la route, et c'est là où les agressions se passent parce que les véhicules ne sont pas en allu permanent. Et la raison pour laquelle ça en arrive autant, je me dis, c'est les éclairages qu'il n'y en a pas. Parce qu'il doit avoir un éclairage après peut-être 2 km d'obscurité, c'est probable que les agressions soient régulées. Les hors-la-loi n'hésitent pas à s'introduire dans les domiciles pour dépouiller les populations. Une fois, ils sont venus chez moi à 21h, un samedi. La route ne passait pas. Ils m'ont mis l'arme. Ils ont tout pris. Il y avait la machine des Chinois, là, quand on joue 100 francs. Oui. Ils m'ont demandé la clé de ça. J'ai dit que je n'avais pas la clé. Bon, le quartier quand même fait comprendre qu'ils savent qu'on ne laisse pas la clé là où on dépose la machine. Ils ont essayé de dire qu'ils vont tirer sur moi. Bon, je n'ai pas parlé. C'est son confrère qui dit, calme-toi petit, calme-toi petit. Dès qu'ils ont pris tout, ils prenaient tout ce qu'ils voyaient. C'était 5 minutes. Ils ont pris tout ce qu'eux, ils voyaient et tout bon. Ils sont partis. L'Orbesou se trouve dans l'arrondissement de Douala 5e. Les populations invitent le maire à prendre ses responsabilités. Tout ce que nous pouvons demander, c'est d'abord au maire de la localité qu'il essaie de voir comment gérer l'éclairage public, ou bien même de temps en temps voir comment gérer les nids de poules qu'il y a sur cette rue pour nous éloigner de tous ces désagréments. Si les populations situées sur l'axe bitumé de l'Orbesou font de moins en moins face à l'insécurité, celles qui habitent l'intérieur du quartier circulent et dorment la peur au ventre. Et les hommages de la nation camerounaise aux victimes de massacres de Kumba dans la région du sud-ouest Cameroun, ainsi en a décidé le chef de l'État, Paul Biya, décrète un jour de deuil national le 31 octobre 2020. Les drapeaux seront en berne dans l'ensemble du triangle national. Et dans la région de l'Est Cameroun, les populations digèrent encore mal la profonde douleur du massacre des enfants dans leur salle de classe le 24 octobre dernier à Kumba, exacerbée par la violence meurtrière. Ces populations appellent le gouvernement à mettre un terme à ce conflit armé qui secoue les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Le reportage de Benjamin Issam depuis Bertois. C'est à peine si les populations des Bertois ont le cœur à l'ouvrage quelques jours après le massacre des enfants à Kumba. Au bureau, dans la rue ou sur la moto, on rumine encore la douleur et la consternation. C'est horrible, c'est très horrible. Très, très horrible. Une douleur vraiment atroce pour nous en tant que parents qui recevons ce genre de nouvelles. Et tous ces brigands vraiment que le gouvernement camerounais essaie de voir comment faire pour mettre main à tous ces brigands-là et que vraiment cela cesse. Les mots ne suffiront plus, ni les larmes pour apaiser les cœurs des parents de ces enfants. La politique doit rester une affaire d'adultes et laisser tranquille les enfants. C'est une affaire d'adultes, ce n'est pas une affaire de ce qui concerne les enfants. On doit laisser les enfants aller à l'école, s'instruire,
pour développer le Cameroun de demain, le droit à l'éducation. Si on tue les enfants qui cherchent à s'instruire, ça veut dire qu'on ne veut pas qu'ils aillent à l'école. Et en ce moment, comme conclusion, ces gens ont pour ambition d'envoyer ses enfants à l'époque préhistorique. Dans le soleil levant, on estime qu'il ne s'agit pas au nord-ouest ou au sud-ouest d'une affaire francophone-anglophone. Bien plus, on ne saurait renier le droit à l'école à nos enfants. Il ne s'agit pas de francophones ou anglophones ou de l'Est ou de quoi que ce soit. Il s'agit là du Cameroun. Il s'agit de nos enfants. Il s'agit, n'est-ce pas, de prendre conscience vraiment de l'ampleur de ce qui est en train de se passer. C'est vraiment dommage. En ce qui me concerne, tous mes enfants chez moi sont anglophones. Quoi que je sois francophone, mais mes enfants sont anglophones. Et la question francophone et anglophone ne devrait pas se poser à ce niveau où le Cameroun se trouve. Les voix s'élèvent pour appeler au dialogue entre les parties en conflit et implorer le ciel pour un retour définitif à la paix dans le sud-ouest et le nord-ouest. Si l'État camerounais peut prendre des mesures drastiques, draconiennes pour arrêter ça, afin que l'éducation continue toujours d'exister dans notre cher et pour payer le Cameroun. Engagement à l'aide des jeunes au Cameroun parce que vraiment, c'est horrible. Mais je pense que le gouvernement a fait beaucoup d'efforts, mais je crois qu'on devait continuer à faire plus pour trouver une solution définitive. Dans les rues de Bertois, la crise anglophone préoccupe et chacun voudrait croire que les enfants seront désormais épargnés de ce conflit qui perdure. Et le pape François exprime également sa compassion et son affection envers les victimes de ce massacre. Il invoque le réconfort que seul Dieu peut donner. Le Saint-Père a également condamné cette barbarie inhumaine sur des vies innocentes. Nous l'écoutons. Je partage la peine des familles des élèves assassinés à Kumba au Cameroun. Je suis vraiment ahuri par la cruauté de cet acte sur des enfants qui n'étaient qu'en quête du savoir. Que Dieu éclaire les cœurs pour éviter pareils actes à l'avenir et que les deux régions anglophones retrouve la paix. Finalement, retrouver la paix. Auspico que les armes se taisent et garantissent la sécurité, le droit à l'éducation et un avenir meilleur pour les jeunes. L'éducation et le futur. Exprimons les familles. J'exprime toute mon affection aux familles et à tous les Camerounais. Tout en évoquant le réconfort de Dieu. L'actualité sportive à présent s'achemine-t-on vers un report de la date du démarrage des championnats professionnels au Cameroun, initialement prévu le 31 octobre prochain. Le coup d'envoi de la nouvelle saison pourrait donc être donné au plus tôt le 7 novembre 2020. Joël Essengue, Aïe Cyril. La Ligue a validé. C'est l'une des principales résolutions de l'Assemblée générale extraordinaire de la Ligue de football professionnel du Cameroun tenue à Yaoundé. Les championnats organisés par le CTT de la FECAFOOT pendant que la LFPC était encore sous le coup d'une suspension ne seront pas annulés. Dans l'intérêt de la nation et en particulier dans l'intérêt du football camerounais, les résultats des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 organisés par la FECAFOOT pour la saison 2019-2020 sont validés. La question du démarrage de la nouvelle saison ne figure pas dans les résolutions de l'Assemblée générale extraordinaire. Mais selon nos informations, le kick-off, initialement annoncé le 31 octobre prochain, pourrait être repoussé au 7 novembre 2020. La LFPC attend le déblocage de la subvention du ministère des Finances. La FECAFOOT a dit qu'elle ne payait pas. Donc il y a un problème à résoudre. Nous allons poser le problème à la ERC. J'ai également une bonne nouvelle. Ça veut dire que
le ministre des Finances si. Doivent être envoyés au secrétariat général de la Ligue au moins 12 jours avant la date de l'Assemblée générale. Le secrétaire général informera les membres et rendra publiques les listes officialisées par la commission électorale 10 jours avant la date de l'Assemblée générale. Les listes officielles de candidats doivent parvenir aux membres de la Ligue avec l'ordre du jour de l'Assemblée générale où l'élection du conseil d'administration est prévue 8 jours avant la date de l'Assemblée générale. La bataille du quorum a fait rage bien avant la tenue de l'Assemblée générale extraordinaire de la Ligue de football professionnel du Cameroun. Certains présidents de clubs étaient favorables à la tenue des travaux, tandis que d'autres projetaient plutôt la dissolution de la Ligue au cours d'une Assemblée générale annoncée le 29 octobre prochain. Finalement, 22 membres sur 35 ont répondu présents. Le quorum ayant été atteint, l'Assemblée a pu valablement délibérer. À présent, des publics reportages, l'Institut supérieur de management ISMA vient de signer une convention de partenariat académique avec l'École de commerce de Lyon, un partenariat qui permettra ainsi aux étudiants de bénéficier, de profiter des contenus académiques de l'École de commerce de Lyon lors de la prochaine rentrée académique. Reportage. L'Institut supérieur de management, ISMA, internationalise ses enseignements. Il vient de signer une convention de partenariat pédagogique et de codiplomation avec l'École de commerce de Lyon. Objectif, donner à ses apprenants la formation nécessaire pour se déployer aisément dans le monde impitoyable de l'emploi. Donc je suis le président effectivement du groupe École de commerce de Lyon et l'objet de notre visite aujourd'hui, à l'invitation de monsieur Bayero Fadil, qui est docteur honoris causa de notre école de commerce à Lyon, eh bien c'est de nouer un partenariat avec l'école ISMA de Douala et un partenariat pédagogique pour une codiplomation. Pour ce faire, les deux parties, à savoir ISMA et l'école de commerce de Lyon, ont organisé une rencontre sur place au Cameroun afin de définir les clauses de cette convention, mais surtout d'évaluer le cadre pédagogique destiné à l'accueillir. Constituer les bases de ce partenariat, c'est-à-dire qu'on voit ensemble les équipements qui vont permettre la transition digitale de l'université, la nature des cours, qu'on se mette d'accord sur les contenus pédagogiques et les finalités pédagogiques, pourquoi pas un incubateur pour la création d'entreprise. Donc voilà, donc c'est poser les bases de tout cela afin que nous soyons prêts pour l'année 2021-22, l'année universitaire 2021-22. Nous avons un an pour livrer un campus digital, des capacités pour les étudiants de l'ISMA. Au cours de sa visite dans les campus de ISMA, Hervé Diaz, le président du groupe École de commerce de Lyon, a pu juger de la capacité de l'Institut à accueillir ce partenariat qui vient ainsi jumeler ISMA à son groupe. Nous avons visité le campus aujourd'hui de l'ISMA à Douala et effectivement il a des capacités d'accueil qui peuvent nous correspondre et surtout il a une structuration de son groupe pédagogique qui correspond un peu à nos attentes s'agissant de la qualité des enseignements, nous sommes un peu en accord, c'est une école de sciences de gestion comme nous le sommes, avec une structuration qui est assez proche. Implanté dans près de 15 établissements de par le monde, le groupe École de commerce de Lyon a jeté son dévolu sur ISMA pour sceller son accord avec le Cameroun cette fois. Alors le choix de l'ISMA, il a une motivation qui est plurielle. La première motivation, eh bien, c'est qu'il nous a été présenté par M. Fadil Bayero, qui est un investisseur et un entrepreneur important au Cameroun et qui est cher à l'école puisqu'il est docteur honoris causa de l'école de commerce de Lyon. Donc lui a choisi l'établissement qui lui semblait amener les capacités en devenir les plus prometteuses dans ceux qui étaient disponibles. Et donc effectivement, grâce à cette convention de partenariat, les étudiants de ISMA pourront suivre des contenus pédagogiques construits par le groupe École de commerce de Lyon en étant au Cameroun ou tout simplement par le canal de l'Institut se rendre sur place à Lyon ou un autre campus du groupe de par le monde afin d'y suivre leur cursus académique. Les retombées de cette convention de partenariat seront disponibles pour l'ensemble des étudiants de ISMA dès la rentrée académique 2021-2022.
La société anonyme des brasseries du Cameroun vaut le secours des élèves de Baneka Consamba dans le département du Mungo. Une délégation de la société brassicole est allée remettre un important don de fourniture scolaire à ses écoliers. Reportage. Du matériel scolaire composé de cahiers, de stylos ou encore de règles et même de l'eau minérale pour les familles du village Baneka par Consamba. L'initiative est du groupe SABC dont les équipes se sont déportées le 9 octobre 2020 dans cette localité à la rencontre du chef supérieur Baneka, entouré pour l'occasion des différents chefs de village et des notables. Une initiative du groupe agro-industriel leader au Cameroun qui vise à soulager les parents du lourd fardeau économique qu'engendre le retour aux classes des plus jeunes, surtout en cette période de crise sanitaire et économique liée à la pandémie de la COVID-19. Nous avons un partenariat avec les brasseries et les brasseries ne nous ont pas oubliés. Pour cette rentrée scolaire, l'impression que j'ai, c'est d'être un chef comblé. Parce que quand on a autour de soi des partenaires qui peuvent intervenir à tout moment, c'est une volonté céleste et il faut qu'elle perdure. Les brasseries du Cameroun ont pris un engagement, on ne peut plus solennel, d'aider au développement du Cameroun en général. Ils ont choisi d'épauler les chefferies traditionnelles. Et nous sommes heureux que les brasseries du Cameroun aient pensé aussi à la chefferie supérieure Baneka. Ce geste va encourager certainement les parents dans ce moment difficile pour les rentrées scolaires. C'est un geste fort. Pour le groupe SABC, cette action qui rentre dans le cadre de sa RSE va en droite ligne avec son engagement à toujours travailler au développement du Cameroun en assurant la réussite depuis la base, notamment par l'éducation. Fidèle à son engagement à renforcer le partenariat avec les chefferies supérieures du Cameroun, le groupe SABC se retrouve aujourd'hui à la chefferie supérieure Baneka pour une opération de renforcement du paquet minimum au travers du matériel didactique pour appuyer ou pour consolider l'engagement des enfants Baneka à être performants. On sait que dans le contexte actuel marqué par la crise sanitaire, ce n'est facile pour personne. Et le groupe SABC est fidèle à ce que le canton Baneka doit rayonner. Et ce rayonnement doit s'illustrer au travers de ses enfants. Donc ce n'est qu'une responsabilité sociétale normale d'un groupe qui tient à ses partenaires. Et le canton Baneka compte vivement pour le groupe SABC. Après Baneka, la caravane du groupe SABC poursuit sa tournée et entend à terme couvrir l'ensemble des régions du Cameroun et apporter soutien et réconfort aux élèves et aux parents en cette période de rentrée scolaire. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Fomi Amstrong-Sanda. Nadine Amo, thanks very much. Ladies and gentlemen, thanks for joining us in the second segment of information in the English language. President Paul Biya has decreed Saturday, October the 31st, 2020, as a National Day of Mourning in honor of victims assassinated at the Mother Teresa International Bilingual Academy at the Fiango neighborhood of Kumba 3 Subdivision, Kumba 2 Subdivision. In a related story, Stand Up for Cameroon is calling on Cameroonians from across the National Triangle to dress in black tomorrow, Friday, October 30, 2020, to honor an order to pray for the peaceful repose of the souls of those assassinated in Kumba. Innocent Aze tells us more on the declaration of Stand Up for Cameroon during a press conference in the economic capital, Douala. Calling on Cameroonians from the young to the old in and out of the country to assemble dressed in black Friday, October 30th to observe a National Day of Mourning as requested by religious and other authorities to pray for the repose of the souls of the 7 children killed in Kumba was focal point of the Stand Up for Cameroon's press conference in Douala. Dressed in black. Pray and meditate for these kids and also for survivors. We need to construct Cameroon to our taste.
We need to construct Cameroon to our taste. Levez-vous et dites ce que vous voulez faire de cette nation. Et nous le ferons ensemble. Stand up for Cameroon regrets this country whose leaders allow children unprotected and be killed. I strongly believe as a leader that we are missing the point. The point is not whether or not we want Ambazonia to become a reality or we want Cameroon to remain. The point is Princess, Jennifer, Victoire, Cindy, Thelma, Rema, Remy, Amsa, Alima, Yamsi, Yasimiratu, Saliatu, Diana, Midian, Jude, Tracy, Cynthia, Mary Angel, Berenice. The point is, what kind of parent are we that we could not protect their lives? What kind of leaders are we? If we cannot make sure nobody will join them, if we cannot make sure the compatriots that we're talking about, whether we call them Ambazonians or we call them Cameroonians, will enjoy the privilege that we enjoy, what kind of leaders are we if we are allowing that to happen? That real leaders should wish to see children grow and give birth to their own children, celebrate anniversaries, successes, and above all, life. I believe all of you think there's a price to pay to get what we want, what we deserve, what is good for our people. I want, as a leader myself, to remind you of something that we enjoy as a privilege, we leaders, Monsieur le Ministre. We enjoy the privilege of not being afraid of seeing our houses burned down. We enjoy the privilege of seeing our loved one wish us happy birthday. We enjoy the privilege of seeing our sons and daughters giving birth to our grandchildren. She? We enjoy the privilege of seeing our brothers and sisters celebrating their graduation with us. According to members of Stand Up for Cameroon, this is the moment for all Cameroonians to rise up and express themselves for a better nation. Ensemble, c'est le moment de parler. National President of the Cameroon People's Party and member of Stand Up for Cameroon is holding the elements of the National Defense and Security Forces of Cameroon and Amba Boys responsible for the killing and abduction and violence committed on the people of the northwest and southwest regions of Cameroon. Edith Kawala is asking the government of Cameroon to hold inclusive inclusive dialogue with each camp in the affected region, especially including separatists. Take a listen to Edith Kawala in the following extract. We are all responsible, but some are more responsible than others, because there are people who are holding guns. There are people in government who have decided that the only strategy for 4 years today is a military strategy. They have not put any other strategy on the table, and that is unacceptable. And we have to put the necessary pressure on them as a country, as an entire nation. I hear some people saying Cameroon one and indivisible. If you want one and indivisible, you have to act. It's not by declaring. The mothers, the fathers, the children, the boys, the girls, the religious people, the school proprietors, the civil society, the bike riders, and so on. We have to sit those communities around the table. And we must have the AMBA and the army there. They are both the perpetrators and the victims. They too are perpetrators and they are victims. And it is by sitting down with those communities that we will be able to heal. We must give victims the opportunity to speak. So today, what our demand to government actually is to create the conditions that will enable us
to have those conversations. Edith Kawala, who believes Ambabo is an element of Cameroon's National Defense and Security Force, are responsible for violence and killings in the northwest and southwest regions of Cameroon. She's asking the government to hold discussions with affected communities, and separatists as well as military officials in the affected regions of Cameroon. And our Pope Francis, head of the Roman Catholic Church, is also adding his voice to those voices calling for an end to the Anglophone crisis. The Pope is angry over the assassination of school kids in Kumba. Take a listen to the Pope in the following extract. I grieve with the families of the children who were savagely murdered last Saturday at Kumba in Cameroon. I feel disconcerted by such a cruel and senseless act which has ripped the lives of innocent little ones while they were taking lessons in school. I pray that God illuminates the hearts of men so that this type of act never repeats itself again, and also that the conflict-hit regions of the northwest and southwest can finally regain peace. My wish is that guns remain silent for the guarantee of peace and serenity, and the right to education of children and youths be respected. I write to the families of the victims in Kumba and all Cameroonians at large. I invoke the comfort and affection that only God can give you all. And now we take on this other information. Medical specialized sources in Cameroon see about 10,000 persons die of breast cancer or died of breast cancer in Cameroon in 2018, with over 15,000 new cases recorded same year across the country. The country has also continued to face increased cancer cases above breast cancer. Against this backdrop, the divisional officer for Dibomba presided out the launching of a cancer awareness and free screening campaign in a specialized unit in the area. The DOU, like other specialists, used the occasion to call on the population, especially women, to go for cancer screening. Take a listen to some of the officials who explain on the challenges faced by cancer victims in Cameroon. Times goes unnoticed if screening that makes us know that this person may have cancer. And the second, when a patient is suffering from cancer, there are three main modalities of treatment. That means the patient can receive a combination of chemotherapy, radiotherapy, or surgery, depending on the stage of the cancer and depending on the specialist. However, nowadays, 65% of patients will need to undergo radiotherapy during the course of the treatment. And in our modern world, radiotherapy is based mainly in a new piece of technology called the linear accelerator. But what's the linear accelerator? Linear accelerator is a machine you can see right behind me. Outline modalities on cancer treatment in Cameroon. Ladies and gentlemen, we thank you for your very kind attention. Still with Equinox Television. At 6 p.m., we shall be having a full newscast in the English language, and at 8 p.m., we shall be having a full newscast in the French language. Nadine Yambo and I will be back here tomorrow at 7 a.m. God willing, Nadine, see you at 7 a.m. tomorrow. Merci, Fomi Armstrong Sanda. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention.